magnifique. Il fait pourri, mais c'est beau. Bon, du coup, les copains, on me voit pas trop, je suis désolé, mais il fait nuit, fin de journée, dimanche soir, comme d'habitude. J'improvise vite fait parce que le stress, le truc, le machin, c'est pas des projets caméra, c'est des projets personnels dans quoi je vous embarque. Donc c'est pas. Voilà, on est obligé d'improviser, pas le choix malheureusement. Je suis avec mon vieux LT là qui est à 756 000 km maintenant. Et on a un plateau voiture derrière. Et en fait je pars chercher une Subaru Break. Je rêve depuis toujours, pour ceux qui me connaissent un petit peu, de posséder une Subaru. Bon, là, c'est pas la Subaru de rêve du tout. C'est plus Mania parce que je connais le type. Et j'ai vu qu'il avait ça en vente. Et bref, c'est une Subaru Break 1,5 litre, dont elle a 105 chevaux, pas de turbo ni rien. Et de 2007, je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas. Break, noir. Et voilà. Bref, il avait acheté lui pour les pièces détachées. Sauf qu'en fait les pièces ne sont pas compatibles avec sa Subaru à lui. Moi je ne m'y connais pas trop, mais il y a monsieur Mobons qui m'a aidé un petit peu parce que lui il s'y connaît beaucoup plus en japonaise. Et bref, les pièces ne sont pas compatibles avec sa Subaru, du coup il la revend. Et elle a la carte grise et tout, mais sauf qu'elle a pas mal de rouille, chose que j'ai plus du tout envie de faire. Mais bon, malheureusement des Subaru ça ne court pas les rues. Ça fait genre 6 mois que je regarde tous les jours et on ne trouve rien, que ce soit ici ou à l'étranger. Il y a même Mobons qui m'aide à chercher. On cherche en Suède, Allemagne, Danemark, France. Et on ne trouve rien. Enfin, rien de honnête, tu vois, et ce que je cherche moi. Donc, bref, elle a des soucis de rouille et un souci de train arrière. Et voilà. Bon, moi, j'espère qu'elle est suffisamment en bon état pour pouvoir la refaire, la remettre sur la route parce qu'elle a la carte grise et tout. Par contre, voilà, là où c'est intéressant, c'est que je la paye, je crois qu'on avait calculé 800 euros. Voilà, 6500 courants dans notre. Donc c'est ridicule. On a discuté un petit peu, et rien qu'en pièces, même si je ne veux pas la refaire, je revends 2-3 pièces, je me rembourse, tu vois. Voilà. Donc en théorie, pas trop de prise de risque. Par contre, ben, le temps, voilà, compliqué. Hein. Comme tu peux le voir, dimanche soir, j'ai dû aller emprunter un plateau. Je vais rentrer à pas d'heure. Je vais devoir ramener le plateau parce que le mec à qui j'emprunte le plateau, ben, il est un peu stressé de la vie, donc je peux pas lui ramener demain. Voilà, c'est un peu galère quand même. En plus, c'est à une heure de la maison et j'ai pas du tout besoin de projets supplémentaires, hein, parce que je vois souvent les commentaires, ouais, tu finis jamais rien, machin. Ça, c'est pas vrai. Hein. Il suffit de remonter sur ma chaîne. Le problème, c'est que généralement, quand j'ai fini un truc, je le revends. Voilà, je le garde un petit peu, je le revends et je reprends. Si je finissais un truc et que je le gardais, ben, il n'y aurait plus de vidéos. Tu vois, c'est un peu le but de ma vie et le but de la chaîne, c'est de faire des nouvelles choses. Là, je n'ai pas du tout le temps, ni la place, ni rien pour attaquer une Subaru comme ça, parce que j'ai le Kubo à faire et j'ai surtout mes Srin, le Golf 3 Color Concept. Je rêve de le refaire, mais je ne suis pas du tout sûr de le refaire. J'ai des gros doutes, donc pour l'instant il est juste ok. Et là, la Subaru, ça va être pareil. Si j'en ai pas besoin, mais étant donné que l'affaire se présente et que c'est pas cher et qu'il n'y a pas trop de prise de risque, je l'achète et je le stocke et on verra quand j'aurai le temps. Voilà. J'espère que tu as compris ma façon de penser. De toute façon, on me voit pas, je parle dans le noir. Et je sais même pas si je vais pouvoir la filmer ce soir, sinon je vous montrerai demain quand on l'aura ramené. Je sais même pas si vous allez arriver à voir là dans le rétro, mais on a le gros plateau derrière. Bon, on peut rien voir. Tellement de nuit. Et bref, en improvisation encore avec le papa, le collègue. C'est parti, on y va. Du har også en ordentlig bulle lige her. Ja. Det er sådan, det er.
Sleeping à la gauche, l'aigle d'intérieur. Bon, les copains, on va essayer de terminer cette vidéo Subaru là parce que ça fait plus d'une semaine. Plus d'une semaine qu'elle est garée devant chez moi au milieu là. Et il n'y a toujours pas eu d'avancée. Parce que ben, je n'ai pas eu le temps et c'est pas une véritable priorité. Voilà. Pour moi oui, parce que je kifferais la conduire tous les jours, tu vois. Mais sinon à part ça non, c'est pas une priorité malheureusement. Donc ce qui fait que. Putain, c'est quoi ces banquettes là? Ce qui fait qu'il faut que je la bouge. Parce qu'elle est jeune. Elle est absolument en réserve plus plus. Waouh, wow, c'est le bruit que ça fait. En fait, on dirait que le pont arrière il est soudé genre. J'aurais aimé la rouler vite fait sur la route quand même, pour me faire une idée. Avant de la mettre sur le pont. Et je sais que normalement c'est l'inverse qu'on fait. Je suis sûr que vous y voyez rien parce que la nuit elle est en train de tomber là. Je sais pas comment on peut mettre une voiture en moins qu'en réserve, tu vois. En dessous de vide. Donc moi j'ai l'impression que, voilà, il y a eu un soudage de pont arrière parce qu'en fait quand tu manœuvres tu as une roue qui patine de longue. Après bon. Pourquoi le frein continue à s'allumer? Bon, je sais pas comment vous caler là, je sais pas trop quoi faire avec vous là. Ah ouais, c'est le bruit que ça fait. Oh, le pont arrière il est arraché ou quoi? Embrayage. Oh putain. Bon, on n'est pas sorti de. Ça va être un projet longue durée tout ça. Vous voyez? Il y a un embrayage à faire là. Oh my god, ça c'est le genre de truc que j'ai fait une fois ou deux dans ma vie et que je ne maîtrise. Absolument point. Bon, voyons voir. Et là ça le fait pas. Hein. Là ça a tourné normalement. Je sais pas pourquoi ça a fait ça quand je manœuvrais là-bas. Et qu'il y a un putain de clunk qui vient de l'arrière là. Ah ouais, l'embrayage est mort. Ce qui est bizarre. C'est que je sais pas où c'est que ça prend le kilométrage parce que regardez les kilomètres-heure. Même les kilomètres-heure ils patinent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, je te fais une présentation extérieure quand même. Qu'on se quitte pas sur un truc nocturne, même si là il fait nuit aussi. On met le kilo dedans. Autrement, de base, je déteste les Subaru Break. Moi, j'ai toujours trouvé ça pas très joli. Mais je sais pas pourquoi, c'est là le fait qu'elle est noire, qu'elle est le béquet et tout, je la trouve jolie. Donc, il y a de la roue ici. Hein, beaucoup sur l'aile. Apparemment, c'est normal, hein, avec les japonaises. Danemark ou pas, voilà. Ouais, il y a toute une aile à remplacer là. Apparemment, il y en aurait en dessous. Je me dis pas qu'elle va tomber à court d'essence. Bref, on va faire le tour. Hein. Eh, on la regardera plus sur le pont. Autrement, c'est un modèle, voilà, je le trouve joli. Donc j'espère que je vais arriver à en faire quelque chose. Parce que c'était vraiment, vraiment pas cher. Voilà. Donc il y a une petite semi-demi-ligne inox, là. Je sais pas jusqu'où ça va là-bas. Mais voilà, on va la rentrer parce que il n'y a pas du tout d'essence dedans. Et j'ai pas mis de la poussière au milieu de la route. Là, il y a le bloc chauffage qui est démonté parce que, ben... Donc là il y a le high et le low. Comment ça marche pour le mettre en low? Là je mets low. Ça marche vraiment le low? Ouais. Donc le high et le low ça marche ta gueule la ceinture.
Putain, mais c'est pas vrai. Oh, je roule à 2 km h5 là. M'emmerde pas toi la ceinture là. Ah. Bon, bref, c'était l'achat de la Subaru, la voiture que j'ai très envie de refaire et de rouler. Mais bon, malheureusement, faut faire un petit peu par priorité. Et ce n'est pas une priorité, même si pour moi, personnellement, c'en est une. Parce que j'ai envie de la rouler en mode prioritaire. Parce que j'en ai toujours voulu une. Et là, c'est peut-être pas le modèle de rêve, mais c'est un début. C'est, ça peut permettre de goûter à l'histoire, tu vois. J'essaie de mettre des à-coups et tout, parce que je comprends pas c'est quoi ces histoires de pont arrière ou de train arrière là qui fait un gros clac là à chaque fois. Parce que là, quand on a roulé sur la route, c'était tout à fait normal, tu vois. Ça se comportait normalement. Après, ça aussi, hein, le bruit Subaru là. Normalement, d'après mes renseignements, le 1,5 litre comme ça n'est pas censé faire un bruit de Subaru. Parce qu'il est censé avoir le. D'après moi, il est censé avoir les collecteurs de la même longueur. Donc, est-ce que c'est parce qu'il tourne sur trois pattes ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il fait ce bruit-là? Ça fume pas mal quand même. Hein. Dites-moi par quoi il faut commencer, où est-ce qu'il faut attaquer, machin truc. Toujours rêver d'une petite voiture comme ça. J'aurais bien vendu mes BM et tout pour consacrer vraiment beaucoup de temps et d'argent à cette Subaru. Mais bon, c'est pas aussi facile à dire qu'à faire. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous êtes aussi chaud que moi. Je me suis fait doubler sur le coup, hein, par un mot bonze et un autre que je préfère pas citer parce qu'il m'a envoyé chier une fois. Voilà, c'est tout. Dis-moi à toi en commentaire, j'y connais rien. Je suis pas mécano, donc les experts Subaru, c'est maintenant.